Voici un court tutoriel vidéo pour vous montrer comment activer la synthèse vocale dans Microsoft Edge. Microsoft Edge est un navigateur que vous pouvez utiliser, entre autres, pour faire des recherches sur Internet. Je suis sur Internet, sur le site de AlloProf, et je veux activer la synthèse vocale sur ce site. En haut de l'écran, vous voyez le A, lire à voix haute, vous cliquez dessus. La synthèse vocale est maintenant activée. Si vous voulez lire le titre, ce qui est en haut du site web, vous laissez la synthèse vocale activée. Si jamais vous voulez activer la synthèse vocale un petit peu plus loin sur le site, vous cliquez sur Play et vous cliquez sur le bouton à droite et vous déplacez dans le document. Alors, vous allez changer de paragraphe. Si vous voulez aller plus loin, activer la synthèse vocale plus loin, vous cliquez encore sur la flèche. Si vous voulez revenir un petit peu plus haut sur la page web pour activer la synthèse vocale, vous cliquez sur la flèche à gauche. Maintenant, on peut activer la synthèse vocale dans un document PDF. Vous allez sur votre ordinateur, vous trouvez votre document PDF, vous faites un clic droit dessus et vous sélectionnez « Ouvrir avec Microsoft Edge ». Votre document va s'ouvrir et vous pouvez aussi activer la synthèse vocale en cliquant sur « Lecture à voix haute ». Vous allez naviguer dans le document en vous servant des flèches à droite et à gauche, juste ici. Alors voici comment activer la synthèse vocale dans Microsoft Edge, dans un site web ou dans un document PDF.